Conseil vidéo, alors pareil, il faut y aller par étapes, on peut utiliser plusieurs solutions, plusieurs moyens. La vidéo, d'ailleurs, on n'y pense pas assez, mais quand on parle de vidéo, on associe toujours la vidéo au bien immobilier. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, les gens ont besoin de voir un peu le quotidien des conseillers immobiliers, donc il faut apprendre à se mettre en scène. Hein. L'idée, c'est que les gens puissent voir les conseillers dans leurs actions. Donc la vidéo, elle sert aussi à montrer l'envers du décor, j'ai envie de dire, la façon dont vous travaillez. Vous allez choisir des moments de vie, évidemment, que vous allez vouloir donner à vos prospects, mais ça sert à ça aujourd'hui, c'est transparence, proximité pour instaurer un sentiment de confiance. Et enfin, humaniser la relation commerciale avant même qu'elle débute. Et donc pour ça, il y a plein d'outils, les applications, les outils déjà intégrés. Et c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, c'est ni technique, ni chronophage, et c'est plutôt ludique.